Donc là, je vais vous montrer un peu dans ma cuisine. J'ai commencé à peindre un meuble bas, puisque je projette en fait de relooker, de continuer à travailler ma cuisine, mais aussi de la relooker un petit peu. J'avais opté pour des couleurs un peu gris bois. Donc quand on entre, ici on a le coin évier avec le meuble d'origine que j'ai peint en blanc, donc ça y est, celui-ci est quasiment terminé. Les poignées, je vais les changer. Au-dessus ici, c'est des meubles que j'avais fabriqués l'an passé, il me semble. De même que celui-ci, celui-là. Donc celui-ci, mon projet, c'est de peindre l'intérieur en blanc. En dessous, il y a la crédence, donc elle est faite dans un matériau assez étrange. J'avais commencé à placer une première couche de peinture avec un côté un peu abîmé sur les recoins des carreaux parce que j'aime bien ce look-là. Mon plan de travail, donc je l'ai découpé. Je l'ai acheté plein et puis je l'ai posé sur mesure. Et les meubles bas, je les avais peints en gris pour les unifier parce qu'en fait c'était des meubles disparates. Et l'installation ici c'est fait maison. Hein. Ici donc il y a une petite tablette pour cacher les tuyaux. Et ce petit coin sincèrement m'énerve. Voilà, donc j'avais taillé ici. Mais donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais travailler ce coin là. Il faut encore que je nettoie ici le dessus. Là, j'avais posé un meuble français que j'ai retravaillé aussi à la peinture. Là, c'est un meuble que j'ai fabriqué avec de la récup de bois. Ici, je continue à faire sécher mes fleurs et il y a 2-3 petites choses, vous voyez. Voilà, donc en soi, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et ici, il y a mes petites plantes. Ici la ligne, en fait je me suis arrêtée ici, il faut que j'enlève les fleurs et le sac. Voilà, il me restera aussi la crédence à terminer de peindre.
L'aïonium ici est en train de sortir, je sais pas si vous la voyez, une racine. Et je lui ai donc libéré l'espace. Cet endroit-là, il y avait des cailloux. Et la racine, en fait, elle avait commencé à pousser pour venir chercher un support dans le sol parce qu'il est en train de pencher. Et depuis que j'ai écarté le caillou, la plante, elle sait qu'ici, là, il y a un trou où elle peut venir se placer, vous voyez? Il sort des racines comme d'autres pieds, en fait. C'est d'autres racines pour l'aider à garder une stabilité et un équilibre. Donc là, je ne vais pas déplacer mes plantes, mais vous voyez, il est un peu penché. Et il y a tout le poids qui vient devant parce que c'est là qu'il a sa lumière. Et voilà, c'est fou, hein, c'est super intelligent une plante. Enfin, ça a son intelligence. Et regardez, bébé Crassula rogersii. Non seulement il a poussé, mais en plus de ça, il est en train de me sortir. Ça y est, ses nouvelles ramifications. Il y en a deux ou trois, je sais plus. Très très contente. Elles sont vraiment trop belles. Et mon bébé aussi, il est trop beau, mais c'est Lucie! Et il fout, maman. La en floral, c'est comme pour l'ancien en fait. Je sais pas, les fleurs elles sortent, mais je sais pas si c'est ça les fleurs. Ça ressemble à rien en fait. Il n'y a pas de fleurs vraiment à proprement parler. Donc, je sais pas. Ça veut pas grandir. Bon, la Focaria derrière va très bien. Elle est vraiment mignonne comme tout. Et les bébés Hydromyscus, voilà, je sais pas. Ils grossissent, mais pas très vite. Et lui, Anacanceros, il va bien, il n'y a pas de problème. Ici, il y a mon terrarium de fortune. Il explose tout. Pour ceux qui avaient vu la vidéo, sinon elle est dans l'espace membre décoration. Et ouais, il faudrait clairement que je repasse un autre. Mais elle a encore un peu de place, hein, mine de rien. Elle s'adapte très bien, les plantes. J'ai choisi de rempoter l'aïonium parce que vraiment ça me faisait trop de peine et du coup je l'ai redressé. Les têtes que vous voyez ici, normalement elles sont tournées vers la fenêtre habituellement, mais là je vais le forcer à prendre un autre équilibre. Et la racine, ça y est, vous voyez, elle est assez longue, elle touche le sol désormais. Et normalement ces deux-là qui sont sur le côté vont se tourner vers la lumière. Donc celle-ci, elle devrait pencher vers ici et celle-là, elle va se redresser vers là et voilà, ça devrait aller, j'espère. Je vais suivre son évolution. Focaria ici est en train de sortir un autre petit rejet au centre, vous le voyez. Celle du salon, franchement, elle va bien. Voilà, le fait qu'elle ait été blessée, ça n'a pas l'air de trop la gêner, la pauvre. Et vous voyez la tête qu'il y a en plein centre, elle est sortie depuis. Celle-ci, elle a un look un peu bizarre, on dirait qu'elle est cendrée un peu. Pourtant, elle va bien, elle est dure, elle est tout pareil, hein.
Sirius ? Sirius ? Sirius ? I love that. You love that, my baby. On va chercher Shadow, Sirius. Comme ça, on m'a donné de pâté. Hein ? Tu vas le chercher ? Il est où, Shadow ? Tu vas chercher Shadow, tu t'en fous ? Mon bébé, mon baby. Se régale. On est un autre jour, je vais m'occuper du meuble qu'il y a ici derrière. Je vais peindre son intérieur comme j'avais prévu. Et après il me restera encore un petit truc à faire et les murs à peindre, mais les murs je les ferai une prochaine fois. Je vais faire ça. Thank you.
voilà le après. Vraiment trop bien, je suis trop contente. Donc quand ce sera sec, je passerai une dernière couche pour uniformiser tout, parce que le joint risque de devenir jaune avec le temps, donc je repasserai une dernière couche partout dans l'intérieur. Et ben vraiment je suis trop contente. Pour ne pas que ça sèche, j'enroule du scotch et je fais en sorte que ça soit vraiment bien hermétique des deux côtés. Et après je vais pouvoir aller le ranger. Là, on voit que Crassula capitella est en train de prendre toute la place. Je sais pas si vous voyez juste derrière là, mais ça m'embête de voir ça. J'ai les sédums là qui sont cachés ici, juste derrière ici là. C'est vraiment bien enraciné. Thank you.
Bon, c'est beaucoup mieux là, elles ont plus de place. Regardez les hampes florales de Kalanko et Mélis. Ils en seront une. Ah, trois. Il y en a une ici aussi. C'est incroyable. Bon, ben du coup, voilà. Il s'est ramifié de partout, lui. Hein. Je sais pas si on va voir, mais il y a des feuilles ici en dessous. Il y en a là. Mais il est vraiment très beau. Donc là, du coup, c'est le coin des sédums. Eux, c'est sûr qu'ils passeront l'hiver dehors sans problème. J'ai aussi perdu des feuilles, donc du coup, je les ai mis à bouturer. Là aussi, c'est des sédums. Tomentosa, ben, il n'a pas beaucoup de place, mais il aime bien l'ombre, donc lui, il lui fera de l'ombre plus tard. Là, c'est Rupestri, c'est un petit sédum ici, petit orpin. Encore les sédums méditerranéens de Mystery. Voilà, ici j'ai un Adromyscus. Kalanko et Fetchenkwa. Et Tomentosa. Et du coup, bah lui, vu qu'il prend toute la place, maintenant il est tout seul. Il va pouvoir se développer. Il a chaud. On peut voir. Ce crassula là, il a été complètement mangé par une chenille et là je pense qu'elle est plus là parce que ça y est, il pousse. À l'époque, quand il y avait ces toutes petites feuilles qui poussaient, ben, le lendemain il n'y en avait plus. Donc là j'ai bon espoir que c'est reparti. Cette barquette, elle a souffert du printemps mais pas de l'hiver. Et l'hortensia qui bourgeonne, trop bien. Il y a un autre truc aussi, est-ce que je vous ai pas déjà dit que la maison ne s'ennuie jamais? Attendez, je vous montre. En gros, il y a quelques temps de ça, enfin vous savez, c'est le bouquet que j'avais placé dans la déco de la chambre, quand je vous avais fait la vidéo sur les DIY déco Liberty. J'avais ce bouquet en fait de renoncules, et là, ben, depuis ce temps-là, elles sont en train de sécher. Je pense que là, elles sont clairement prêtes. Elles sont toutes, elles sont sèches quoi. C'est plutôt joli, hein. Bon, je vais les égaliser. Mais quoi? Mais il va pas sati là, ça y est, c'est fini. C'est la nuit là, Sirius, ça y est, c'est fini, il va pas sati maintenant. Non, non, non. Il reste à la maison maintenant, mais Sirius, c'est... Eh oui, c'est fini. Ah, mon bébé. C'est fini, mon chat. Allez, viens avec maman. Regarde, viens regarder qu'est-ce qu'a fait maman. Regarde qu'est-ce qu'a fait maman Sirius. Donc là, je les ai toutes réunies ensemble. Comme ça, je vais tailler d'un coup. Je les ai placées de sorte à ce qu'elles ne s'abîment pas de trop les unes les autres.
cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu entre voilà, l'entretien des plantes, la revanche des succulentes et les travaux d'embellissement de la cuisine, relooking. Et vous voyez, peu de choses au final pour obtenir un résultat qui est quand même plutôt appréciable. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, avant de partir, s'il vous plaît, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous retrouve très prochainement avec de nouvelles aventures d'artisanalogie. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre fort soin de vous. Bisous, bye bye.